Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer donc notre chère petite ville, ville qui est du coup de 129 000 habitants, donc c'est quand même de nouveau, on recommence, on est toujours en plein orage, donc c'est toujours un peu le bazar. Mais ça va quand même, allez, ça va un peu mieux. On va voir un peu comment se passe notre entassement, je sais plus où c'était... En niveau 2, donc on cherchait à mettre de l'entassement. Entassement moyen des déchets par bâtiment. Alors vous voyez ici, ça passe déjà à 7. Donc le but c'est que ça passe à 25. On va voir concrètement comment ça va se passer. Et alors j'ai un autre truc, c'est que ben, il nous fallait absolument les bâtiments abandonnés. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit. Si on met ça dans tous les sens, alors je crois que je vais sacrifier du coup la zone agricole, mais si je mets dans tous les sens, enfin dans un sens genre inverse, genre on ne peut que sortir, et même je pourrais même supprimer le truc en fait, de dire on ne peut pas rentrer, est-ce que ça pourrait marcher? Parce qu'en fait, ça va créer un énorme bazar. Et ici, tout va être abandonné. Alors, on a déjà beaucoup d'abandon, hein. Et j'ai même peur que même si ce soit abandonné, ça va être quand même compliqué. Donc, c'est peut-être pas la meilleure zone à faire. Alors, c'est cool, ça part. Et pour bosser, ils savent venir bosser. Donc, en fait, je suis pas sûr que ce soit... que ça puisse marcher, ce que je veux faire. Ok, je vais changer. Voilà, je change déjà mes idées. C'était une très mauvaise idée. Voilà. Bon. En tout cas, il faut quand même qu'on le fasse quelque part. Il faut quand même que je fasse ça quelque part. Alors, faut pas que je foute le bordel non plus niveau transport. Et si niveau ligne... Ah, what? On a beaucoup trop de monde, là. Qui attend? Ouais, comment dire? Je veux bien, mais... Ah ouais, mais en fait, ça déconne parce que... Ici, ça va pas assez vite. Ça, en fait, hein. Et là aussi, on a beaucoup trop de monde. 265, alors ça va, ça c'est acceptable. Et là, ça rentre, ça sort assez facilement. Ok, est-ce qu'on devrait mettre plus de véhicules? Alors, j'irais oui et non, dans le sens où, ben là, pourquoi tu vas lentement là? Dans le sens où, entre guillemets, ben, ça repart, mais on sait pas faire plus quoi. Alors là, ça va quand même plus vite. Au tournant, il ralentit. D'accord. D'accord. Bâtiment abandonné, d'accord. On peut voir ça, ok. Je découvre des nouveaux trucs. Enfin, je me doutais que c'était ça, mais je découvre qu'on pouvait faire ça directement sur le bâtiment. Ok, vous voyez ici, on commence déjà à avoir des petits déchets qui s'accumulent, donc c'est un peu l'idée. On est à 8 sur 25. Ça pose pas encore problème. Je crois que ça va en poser très rapidement à un moment donné. Tout va se bloquer. Je suis sûr de ça. Niveau étudiant, là, on a quand même beaucoup de soucis. Hein. Parce que du coup, on a notre collisionneur de Hadron qui est quand même... qui est là, donc... Ils vont tous aller à l'école sans aucun souci. Et... Bon, c'est bien, mais quand même, j'ai quand même envie d'évoluer, faire évoluer mes universités, quoi. Donc on verra. On verra, on verra. On va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait un peu regarder peut-être nos transports en commun de la zone... What? 0, 0... Enfin là, ça diminue. Ok, donc on va vraiment perdre beaucoup. Si pas, on va tout perdre. Et j'ai pas envie d'enlever mes universités, donc... On va voir un peu comment ça se passe, mais si c'est juste pour...
C'est juste pour ça, alors on va pas activer le questionnaire de Hadron, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre... J'ai l'impression que notre train, ça se passe bien. Vous n'avez pas l'impression? Genre on a plus de problème de trajet, j'ai l'impression ici. Après, j'ai plus l'impression qu'on a tellement de... Ah, ici, ça repart, ok. Ok, là, on a du trafic, entre guillemets. Ok. Ok, ok. Ouais, là, on a beaucoup de monde qui attend. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, on est déjà à 135 000 habitants. Donc ça remonte quand même assez vite. Alors est-ce que c'est parce que les bâtiments existent et qu'ils doivent juste entre guillemets être faits? Je sais pas. Là on est à 9 pour notre observatoire. Je suis désolé, hein, je reviens toujours sur ça, mais c'est quand même un peu mon objectif. Allez. C'est quand même un peu mon objectif principal de faire tout ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on avait du coup réussi à faire descendre alors la santé, je suppose. 3 ans usagés dans la bibliothèque, ça on va voir, mais c'est chaud. Ça je pourrais pas faire maintenant. Le parc licorne. Gagner zone inondée. J'espère entre guillemets que... Allez. Que c'est pas un truc obligatoire pour placer quelque chose, quoi. Ok, et sinon, bah, en fait on a bientôt fini ces objectifs-là. Hein. Spécialisation agricole, ça, ce sera normalement fait. L'expérience de la météorite. Ok, bon. Et puis ici, on aura quand même le projet Eden. Ça, ça va être vachement cool. Il améliore considérablement le profit de la ville et réduit les pollutions terrestres, aériennes et aquatiques, ce qui augmente la valeur des terrains à proximité. On a la centrale à fusion. Offre un énorme volume d'énergie propre sans la peur de la radioactivité, pardon, ou d'une autre pollution. Le centre médical est un complexe de recherche qui se consacre à la recherche des remèdes contre les maladies. Il est tellement vaste et efficace qu'il peut facilement s'occuper de tous les besoins de santé de vos habitants. Le centre médical dispose d'un héliport et peut accepter les hélicoptères. Donc ça, c'est vachement sympa. Ici, on a le refuge du jugement dernier. Il permet à tous les abris de stocker plus d'eau et de nourriture et augmente légèrement leur capacité. Et lui est un vaste complexe souterrain qui aide les abris de votre ville à fonctionner plus efficacement. Centre de recyclage ultime. C'est donc l'usine de recyclage ultime est un monument qui peut gérer d'immenses quantités de déchets et les transforme en électricité, biens et matériaux bruts. Ces produits bénéficient à votre ville ou peuvent être exportés. L'export est automatique si besoin. Château du seigneur de Gazouille, attention. Et lui, voilà, c'est un petit truc. Il augmente l'attractivité de tous les bâtiments de 25% et le divertissement. Il a une valeur de divertissement globale de 100. Donc, augmente l'attractivité. Donc, clairement, lui, la statue du Colossalos, il va clairement aller dans notre zone ici. Hein. On le sait. Hein. C'est déjà prévu. Ok, ok, ok. On va désactiver quelques petits... Quelques petits trucs de déchets. Et surtout ces deux-là. Alors il faudra réussir à penser à tout ça. Mais on va peut-être augmenter cette vitesse-là de poubelles. Et là, ça va rapidement créer un problème. Hein, parce que je crois qu'on a presque plus rien. Donc, voilà. Parfait. Bon, on a 138 000. On risque de redescendre. On va pas s'occuper du trafic peut-être aujourd'hui. On va peut-être réfléchir un peu à comment on placerait les nouvelles zones. Est-ce que ici on avait rempli? On peut remplir peut-être ces zones-là. En se disant, comme ça c'est fait. Et en espérant du coup que ça puisse marcher. Voilà. Hop. Alors je crois que mon PC commence à déconner. Hein. Vous voyez aussi que ça commence un peu à laguer niveau... Niveau vitesse, j'ai l'impression que... il galère. Alors ici... Ah ouais, maintenant ils commencent tous à utiliser là. Donc ça c'est plus cool. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vrai que j'ai pas augmenté la vitesse ici et que peut-être qu'on devrait le faire.
Ok. Alors là, ça déconne un peu. Est-ce que les gens utilisent globalement ou pas? Non. Et quand est-ce qu'ils vont au boulot? Du coup, avec le métro? Non, j'avais retiré le métro. Ah, peut-être pas. Ok, donc je suppose qu'ils vont à pied alors. En parlant d'à pied, est-ce qu'on avait réparé ça? C'était ici, je crois. Ouais, là. Ok, donc clairement, vous voyez ici, ça demande encore beaucoup de temps avant de revenir comme c'était avant. Ouais. Ce qu'on va pouvoir faire à un moment donné. C'est mettre la politique planification de l'espace industriel et c'était où? C'était un endroit pour enfin c'était un truc pour dire que ben, en fait tout le monde enfin ouais en fait on n'a pas besoin de ça, j'ai rien dit, oubliez, j'ai rien dit. Ah, on commence à avoir des problèmes ici de poubelle. Donc clairement, ici, on ressent... Voilà, on est déjà à 11. Ça augmente. On va commencer peut-être à perdre des habitants, mais ça va le faire. Ils vont être malades. Du coup, ça va... D'abord, ils vont d'abord être malades et puis ils vont mourir. La base. On va juste changer ici, comme ça, ici. Et voilà. Super. On pourrait s'occuper du bruit. Je vois qu'ici on a beaucoup de bruit. Est-ce que c'est à cause du Gigastore? Les habitants sont malades. Ouais, bah ouais, c'est normal. Il y a trop de bruit donc ils sont malades. La logique de Cities Skylines, ça. Donc clairement, ici on voit qu'ils sont quand même un peu tous malades. Alors, ils vont tous commencer à être malades à cause des poubelles. Ici, mon parking, il est quand même très trop, beaucoup trop gros. Il n'y a pas assez de monde, donc je crois que je vais quand même le supprimer et on va voir ce qu'on peut faire, mais il est quand même un peu trop gros. Je suis en train de voir parce que du coup, ça crée plus d'électricité. Non, on est quand même limite niveau électricité. Ok, pas assez de clients. Ouais. Ici, j'avais dit que je voulais remplir. On va remplir ça de... On va remplir. Je vais remplir un peu nos zones ici. Rendre ça plus réaliste, on va dire. Alors je sais, ma ville n'est pas la plus réaliste au monde. Je le sais très bien. Hein, les amis, ne vous inquiétez pas pour ça. Je le sais. Ok. Hop. Camion de poisson. Ok. Bon, ben bah, ça augmente plutôt bien. Ici, je suis content. On est à maintenant 12. On va réfléchir à comment régler ça. Comment régler... Bah, maintenant, il n'y a plus de soucis, entre guillemets. Vu qu'ils n'arrêtent pas de se déplacer, en fait, l'un derrière l'autre. Du coup, on pourrait encore augmenter. Encore plus quoi. Touristes quittent la ville. Ok, ils prennent la route là. Ah ouais. Bon, ce qui est cool, c'est que ici, on a quand même pas mal de monde qui vient. Ce qui est moins cool, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trafic, on va dire. Et c'est vrai que c'est un peu idiot, mais genre là on a beaucoup et ceux qui arrivent par ici, là, ici on en a que 4, ah ouais. On va peut-être en mettre juste
Voilà, ça sera pas mal. Le problème, c'est qu'on va tous arriver, ils vont tous arriver là-dessus. Et ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et peut-être qu'on devrait réfléchir à faire ça. Ah non, pas Amazonie ici. Ah non. Ah non, 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 c'est pas cool ça. Surtout qu'on n'a rien prévu ici pour repartir. On va mettre ici une sortie de secours. On va mettre aussi là. Et peut-être encore ici. Voilà. Ok, et maintenant on va dire... Wow, 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 il faut se dépêcher. Là. Et là. Espérons que ça va bien se passer. Ah, j'avoue que ça pourrait être un truc ça, d'appeler à fond. Ok, espérons qu'ils vont venir. Ah merde! Pourquoi c'est pas connecté comme il faut lui? Est-ce que les autres sont bien connectés du coup? Ouais, là c'est le connecté et là ça va aussi. Alors je ferais bien une petite route pour une fois voir ce que ça fait concrètement. Et c'est vrai que c'est un truc que je vous avais promis qu'on ferait et j'oublie à chaque fois. Mais il faut qu'on le fasse, hein. Il faut qu'on se force à faire ça, hein. Allez, on a déjà un habitant qui va survivre, mais bon. Ça arrive pas assez vite, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le temps qu'ils nous le disent, si on veut créer ça, ça va pas le faire. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de partir de la ville. Est-ce que ce serait ça? Peut-être. Peut-être, peut-être. En attendant, on est quand même de nouveau à 145 000, donc ça c'est génial, on est nouveau presque à notre niveau d'avant. Niveau poubelle, on en est où? On est à 13 sur 25, ok. Là ça commence à être un peu le bazar. Ok. Ok. J'ai vraiment un peu peur de tout ce qui va se passer maintenant. Parce qu'on est en train de foutre le bordel hein, dans notre ville, clairement. On sent qu'on arrive en fin de saison, entre guillemets. Il retourne au dépôt. Ok. Grand habit d'urgence. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ou pas? Pas l'impression, hein. Et là, les gens viennent ici. Ah, ils ont plus l'air d'attendre quelque chose que en route pour le grand abri. D'accord. Ah, lui se casse. J'en ai marre. C'est faux, toutes ces tornades. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est une 3,3, donc ça devrait le faire. Mais quand même... Voilà. Voilà. Alors, bah ça en fait, vous savez quoi, je vais supprimer parce que bah, j'en ai plus besoin. Donc ça sert plus à rien. Et là, on se retrouve de nouveau avec le même problème de l'autre fois. Et ici, je sais pas pourquoi, mais il veut pas. Pourquoi t'es là, toi? Arrêt suivant, arrêt numéro 2. Bah ouais, mais vas-y. On va supprimer, hein. Je m'en fous. Tout va partir. Je m'en fous. Ouais, du coup, là, à chaque fois, on se retrouve avec un problème de... Tout se suit, mais du coup, on n'a plus rien ici en attendant, quoi. Et c'est peut-être ça un peu la limite du fait que ça doit tourner.
Enfin, que ça doit revenir en arrière. Entre guillemets, de repartir en arrière ou pas, je sais pas si ça changera vraiment quelque chose. Par contre, vous avez vu ici le monde. Détail de la ligne, on en a 4, je mettrais bien le double. Hein. Parce que allez. Niveau route, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Alors peut-être qu'on a eu des bugs et... Enfin des bugs. On a eu beaucoup de problèmes, donc c'est pour ça. Aïe aïe aïe. J'ai pas regardé, j'ai plus osé regarder. Et j'avais oublié. Aïe 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 aïe. Bon, c'est comme ça, hein. On fait avec. On fait avec. Alors ça s'est arrêté, c'est bon. On peut faire ressortir nos copains. Faire sortir les habitants. Faire sortir les habitants. Et refaire sortir les habitants. Ok. Parfait. Alors ici, comment se passe notre zone en souterrain ici? Est-ce que concrètement ça se passe bien ou pas? Ouais, ça se passe vraiment bien. Hein. C'était une bonne idée de faire cette sortie-là. Ça permet vraiment de les envoyer là-bas sans passer par notre route principale. Ouais, c'est bien, on est en train de foutre le bordel dans les déchets, c'est génial. Et c'est sur cette belle phrase que je vais vous arrêter. Je vais m'arrêter et que je vais vous laisser. On avance assez bien, on est quand même ici à 15 sur 25, donc c'est plutôt pas mal. Entre guillemets. Je vais juste faire sortir tous les habitants, ici on a un bouton. Et bah sur ce, on va peut-être vite faire réparer le tout pour que ça refonctionne. Voilà, ici, on repasse ici. On fait ça pour être sûr que moi je l'oublie pas en fait pour le prochain épisode. Hop. Voilà, et je crois qu'on a tout réparé. Non, voilà, ici c'est bon, là c'est bon, parfait. Super. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!